أتيت مباركا فمن أتى دنيانا رمضان، le mois du jeûne et de la veillée en prière. Un mois plein de bonnes choses et riche en bénédictions. Il est régi par des règles que le musulman se doit d'apprendre. Le jeûne consiste à s'abstenir de tout ce qui conduit à sa rupture, telles que la nourriture, la boisson et les rapports intimes. Et cela du lever du soleil jusqu'à son coucher, en y intégrant l'intention. Il est l'un des cinq piliers de l'islam. Et une obligation pour tout musulman d'après le Coran, la Sunna et le consensus de la Umma. Quant aux conditions d'obligation du jeûne, il n'est obligatoire que pour le musulman doué de raison, pubère, en bonne santé, résident et capable. En effet, il n'est pas obligatoire pour le malade dont le jeûne risque d'aggraver sa maladie ou de retarder sa guérison. Il n'est pas obligatoire pour le voyageur, bien que le jeûne lui soit préférable s'il n'y voit pas de difficulté. De même, il n'est pas obligatoire pour l'enfant. Cependant, il est préférable de l'entraîner à jeûner, afin que cela devienne une habitude à la puberté. Il n'est pas obligatoire non plus à celui qui n'en est pas capable, tel que la personne âgée, celle atteinte d'une maladie chronique, ou encore la femme enceinte et celle qui allaite si le jeûne risque de leur nuire, à elle ou à leur enfant. Le jeûne a ses piliers qui sont l'intention, l'abstention de tout ce qui rompt le jeûne et le temps imparti. Il te suffit de mettre, dès le premier jour du mois de Ramadan, l'intention de jeûner le mois entier. Quant à celui qui abandonne le jeûne par fainéantise ou passion, il se rend coupable d'un grand péché. S'il manifeste publiquement son abandon du jeûne, il sera puni de la manière que le gouverneur jugera adéquate. Parmi ce qui est rapporté concernant le mérite du jeûne, il y a cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit « Toute œuvre accomplie par l'enfant d'Adam est pour lui, excepté le jeûne, qui me revient à moi et dont j'assure la récompense. Le jeûne est un bouclier. Si l'un de vous jeûne, qu'il ne tienne pas de propos obscènes, ni ne crie. Et si quelqu'un l'insulte ou le provoque au combat, qu'il dise « Je suis en état de jeûne, par celui qui détient l'âme de Mohammed entre ses mains. L'odeur qui se dégage de la bouche du jeûneur est plus aimée d'Allah au jour de la résurrection que l'odeur du musc. »